Hello tout le monde, je m'appelle Mathieu et bienvenue sur ma chaîne. Allô, quoi de neuf? Allô? Allô? Mathieu, quoi de neuf? Allô? Allô? J'espère que vous allez bien. En tout cas, aujourd'hui, attention, attention, nous allons recevoir des coups de fil. Avant de commencer cette vidéo, je le rappelle, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'aimer cette vidéo si elle t'a plu, de la partager, de la commenter. Je compte sur toi. Voilà. C'est parti, on y va? Ah. Allô Mathieu, quoi de neuf? Salut Mathieu. Bon, je sais, ce que je vais te dire, ça va paraître un peu... pas bizarre, mais bon, voilà. Bon, je me lance, c'est parti. En gros, que je t'explique, je suis tombée amoureuse du copain de ma sœur. Comment je fais? Donc c'est pour ça que je viens vers toi pour avoir un peu des réponses. Voilà. Est-ce que tu peux m'aider? Allô Mathieu, quoi de neuf? Salut Mathieu, je t'appelle parce que voilà, comment te dire, je suis tombé amoureux de mon meilleur ami. Je sais, ça se fait pas et j'ai peur de gâcher notre amitié, mais franchement, c'est plus fort que moi. Et ben voilà, je suis attiré et je sais pas quoi faire. Donc si tu peux m'aider, s'il te plaît, merci beaucoup. Ok, ça marche. Ben merci à toi d'avoir appelé et puis t'en fais pas. On va y répondre et on va te donner des solutions. Voilà. Regarde bien la vidéo jusqu'au bout, d'accord? Allô Mathieu, quoi de neuf? Salut Mathieu, ben écoute, je t'appelle parce que donc je suis étudiant et en fait je suis amoureux de mon prof. Voilà, pour tout te dire, je suis perdue. Et j'ai besoin d'aide. Donc je compte sur toi. Merci. Eh ben écoute, je pense que franchement, tu t'es bien tombée. Tu as appelé le bon numéro. Donc ben, c'est parti. On y va. On regarde bien la vidéo jusqu'au bout et puis on va y répondre. D'accord? Regarde bien. Ciao. What the fuck? Non, je rigole. Bip! Non, 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 mon Dieu. Bon, non, 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 c'est pas bien. Waouh, j'ai été un peu surpris, vraiment, par ce que je viens d'entendre. C'est clair, je pense. Le sujet de cette vidéo sera les amours impossibles. Donc, voilà, c'est parti, on y va. D'ailleurs, oh, oh, impossible, tête de mort, non, on va voir tout ça. C'est parti. Bon, alors... D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que pour ma part, moi, je ne suis jamais tombée amoureuse du copain de ma petite sœur. Je suis jamais tombée amoureuse du copain de ma petite sœur. Et par contre, pour les profs, oui. Pour les profs, oui, j'ai déjà eu des crushs pour les profs. Est-ce que j'ai déjà eu des crushs pour mon meilleur ami? Je réfléchis. Je crois pas. Non, je crois pas. Après, des amis, genre comme ça, oui, mais pas mes genre meilleurs amis. Pour ce qui est du copain de la petite sœur, ça vraiment, moi, si j'ai un conseil à te donner, franchement, oublie. On s'attaque pas aux copains des frères et sœurs, on s'attaque pas, voilà. Non, 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 il faut oublier. Il faut te faire une raison, malheureusement, c'est pas possible. Essaye de vite rebondir, retrouver quelqu'un parce que c'est pas possible. Il faut que tu t'oublies ça, il faut que tu te dises voilà, il est ou elle est avec ma sœur, c'est pas possible, tu peux pas voilà, draguer ou quoi que ce soit. Non, 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 non. Par contre, le prof, attention, attention, attention pour les profs. Il faut savoir une chose, c'est que bien sûr, si t'es mineur et si tu tombes amoureux de ton prof, c'est niet. C'est-à-dire que la loi fait que t'es mineur, ton prof est majeur, c'est pas possible. D'accord? Donc, du coup, ça, voilà. Après, c'est peut-être juste un fantasme. On a beaucoup, comme ça, des fantasmes par rapport, justement, à quelqu'un qui est supérieur à nous hiérarchiquement. Ton prof, ben voilà, peut-être c'est de l'admiration ou bien c'est vraiment des sentiments. Donc, du coup, tu ressens du désir pour ton prof. Et là, comment te dire que... Alors, soit lui-même, il va te mettre un vent, il va te stopper tout de suite en disant, voilà, écoute... Moi, je suis en couple, j'ai une famille, voilà, c'est niet, il n'y a rien du tout. Soit, eh ben, tu sens qu'il était un peu ambigu, et dans ces cas-là, le mieux, je pense que c'est d'en parler. Mais attention, attention, attention. Si tu en parles, vraiment, assure-toi que ce soit à la fin de l'année, que tu ne l'as plus, ce prof, comme ça, moi,
c'est fini. Si vraiment c'est plus fort que toi et que tu peux pas résister et que c'est au quotidien, c'est difficile. Je pense que soit tu lui fais une lettre, soit tu lui en parles directement. Si t'arrives pas à lui en parler directement, fais-lui une lettre. Hein. C'est peut-être mieux. Et lui, le fait qu'il soit plus grand, qu'il soit plus adulte, peut-être que justement il pourra te parler ou aborder le sujet avec toi, mais de manière à que ce soit apaisé et te faire comprendre que malheureusement, c'est pas possible. Voilà. Si, savoir, attention, tu es majeur, tu es à la fac par exemple, tu es majeur, tu es amoureux de ton prof, voilà, tu lui écris la lettre. Voilà. Ou un message, ou un mail, voilà ce que tu veux. Et là, il te répond, bah oui, moi aussi. Et ben dans ces cas-là, moi franchement, je suis pour des expériences. Il faut vivre un peu sa vie aussi. Donc si en effet ton prof, tu es majeur, il est disponible ou elle est disponible et que du coup ça match entre vous et que tu as fait le premier pas parce que justement, en tant que prof, il n'a pas vraiment osé ou elle n'a pas vraiment osé. Franchement, fonce, voilà. Et tu te dis, ça sera une relation comme d'autres relations. Et puis si ça fonctionne, tant mieux. Si ça ne fonctionne pas, par contre, il ne faut pas te mettre dans des états pas possibles. C'est une relation comme une autre. Donc, il y a le moment où la séparation elle est difficile et c'est le temps qui fait qu'on va passer à autre chose. Mais il faut vraiment savoir si c'est vraiment du désir que tu éprouves auprès de ton prof ou si c'est juste de l'admiration de, voilà, t'es baba devant ton prof. Concernant le meilleur ami, alors là, attention, attention, attention. Est-ce que tu préfères garder une amitié qui est durable, qui est forte, qui est super sympa et tout, ou la perdre complètement? Parce que c'est ce qui peut arriver. Voilà. Et ça, c'est compliqué. Si tu sens que au final, il attend que ça, il attendait que ça, donc fonce, voilà, il n'y a pas de souci. Et puis, c'est vrai que vous vous connaissez très bien, que vous pouvez vraiment partager tout ça, plein de choses. Vous êtes d'accord sur plein de sujets, vous complétez. Donc, forcément, ça fait le couple parfait. Attention, parce que malheureusement, des fois, meilleur ami, c'est meilleur ami. C'est pas copain, copine, c'est pas. Voilà. Et des fois, ça marche pas. Donc, tu peux évidemment te retrouver face à quelque chose qui peut gâcher ton amitié, le fait d'avoir dit. Donc, c'est pas évident. Alors, petit conseil. Soit tu lui dis cash. Voilà. Mais le problème, c'est que si tu lui dis cash, eh ben, tu peux avoir des retours du style écoute, on arrête là, c'est terminé, tout ça. Et là, ça, t'as pas envie. Parce que c'est quand même ton meilleur ami, tu t'entends bien avec. Donc, c'est pas trop une bonne idée. Soit t'écris une lettre, un message, tout ça, où tu mets des petits sous-entendus. Dans ces cas-là, soit il prend les sous-entendus et du coup, il réagit. Et là, du coup, voilà. Soit il les prend pas du tout, en tout cas, il voit pas les sous-entendus. Et dans ces cas, tu continues genre normal. Soit tu demandes à une amie de mener l'enquête si peut-être par hasard ton meilleur ami ou ta meilleure amie a peut-être des sentiments pour toi. Et dans ce cas, au moins tu es fixé. Troisième possibilité, sur le ton de la rigolade. C'est-à-dire sur le ton de l'humour, tu annonces comme ça, écoute, moi je suis célibataire, toi tu es célibataire. Si peut-être dans un an ou deux, on est encore célibataire, on a qu'à se mettre ensemble et puis voilà. Et tu vois comment il réagit. Et si, genre, il dit, ah, mais ouais, et tout, mais oui. Et là, j'espère avoir répondu à vos questions sur les amours impossibles, parce que franchement, on en a, mais tout le temps, que ce soit ado, que ce soit jeune adulte, que ce soit adulte. Ça nous arrive tout le temps, hein. Voilà, peu importe si on est étudiant ou pas étudiant, les amours impossibles, on en vit, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc du coup, c'est pas évident. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'aimer cette vidéo, ça fait toujours plaisir de voir des j'aime, des commentaires, des abonnés, tout ça quoi, voilà. Donc je compte sur vous, plein de bisous, portez-vous bien et puis à très vite dans un nouveau Allô quoi de neuf. On se retrouve très 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 vite pour une autre question. Et oui, dans un prochain épisode. Allô? Allô? Mathieu, quoi de neuf? Allô? Allô?